Bon, bah ici, ça fuit de tous les plafonniers, du coffre du store, voilà, du plafonnier de la cuisine aussi, ça fout comme une douche. Donc j'étais tranquillement installé sur mon canapé quand j'ai entendu un peu soudainement des gouttes à gouttes quoi sur ma table basse. Donc j'ai regardé, je me suis aperçu qu'il y avait des gouttes qui tombaient du plafond. J'ai levé les yeux, j'ai vu que du plafonnier, en effet, ça commençait à goûter beaucoup. Le moment, en fait, j'ai mis le feu, regardez comment c'est déjà rempli. C'est énorme. Et j'ai filmé tout de suite. Et en fait, d'ailleurs, on le voit, il y a encore des morceaux. En fait, plus ça, au début, c'était un tout petit trou, et plus ça allait, en fait, et plus les trucs là-dedans, plus le trou s'agrandissait. Là, j'ai limité la casse parce que j'étais là. Heureusement, mais le fait que les infiltrations passent par l'électricité, bah, c'est vrai que ça fait un peu peur. Quoi. Je reste pas à côté, je sais, j'ai les réflexes de pas toucher aux lumières, puis le coup de l'électricité, bah, c'est vrai qu'on va dire que c'est bien pire que le matériel, parce que là on touche clairement la sécurité à l'humain. Sur mon pas direct du bâtiment 4, à ma grande surprise quand on ouvre la porte, c'est une passoire. Là il y a de l'eau qui rentre de partout, dans le plafond, et là on a la pâte au joint.